pour dénoncer le traitement médiatique et le salissage qui a eu lieu en fin de semaine contre des camarades. Donc, pour la durée de l'action, on aimerait beaucoup ça, pour marquer notre protestation politique, que personne ici réponde aux questions des médias. Situation particulière ce matin au Palais de justice. Les manifestants qui sont venus, qui sont devenus faire une vigie pour venir en aide à leurs camarades qui ont été arrêtés après avoir jeté des bombes fumigènes la semaine dernière dans le métro, ont décidé d'empêcher les médias de parler. Or, il nous est impossible de faire la moindre entrevue. Il nous est impossible de rapporter quoi que ce soit. La situation est là. Brian Miles, de la Fédération professionnelle des journalistes, était sur place un peu plus tôt. Il nous donne ses commentaires. Tes réactions par rapport à ce qui vient de se passer, ce qu'on a vu, une mascarade, la grotte esprit des gens qui ont une culture de la vie en démocratie qui est proche de zéro. Ils font un événement dans un lieu public et ils nous empêchent de faire notre travail, qui est de rapporter l'événement, le filmer, le relater, faire comprendre au public qu'est-ce qui se passe ici. Alors, de toute évidence, ces gens-là veulent museler les médias parce qu'ils ne sont pas satisfaits du discours qu'ils entendent. Dans une société de droit comme la nôtre, quand on n'est pas d'accord, les armes qu'on prend, c'est la parole et le discours, c'est ne pas de se faire justice soi-même et de faire des procès d'intention aux médias sur la place publique comme ils le font en ce moment. Nous réagissons avec rigueur au traitement médiatique et politique qui vote seulement dans cette société pourrie qui a encore la raison de cette prétendue démocratique.